C'est certainement le plus vieux coin de France. Riche d'une occupation humaine vieille de 450 000 ans, le Périgord recèle une part essentielle de notre préhistoire. Dans des grottes et des abris, nos très lointains ancêtres ont laissé des traces de leur passage, comme autant de témoignages. La lointaine histoire du Périgord nous mène au-delà de toutes les dates. Le lieu le plus connu est au cœur du Périgord noir. Montignac, une ville qui naquit de la fertile vallée de la Vézère. Elle est entourée de nombreux sites. L'habitat troglodyte niché au cœur de la roche, les nombreuses grottes aux peintures rupestres, tout cela constitue le sanctuaire d'art préhistorique le plus riche d'Europe. Notre mère préhistoire a laissé en héritage un lieu fascinant du patrimoine de l'humanité. De renommée internationale, l'un des plus visités de France, la grotte de Lascaux, qui fut découverte en 1940 par 3 enfants et un chien. Miraculeusement conservée, elle dormait paisiblement depuis 15 000 ans. Mais il existe une seconde histoire, plus récente, qui débute pendant la période romaine, lorsque les habitants de la Dordogne se nommaient Pétroucors. Première trace de la naissance du territoire périgourdin, qui remonte à son rattachement à l'Aquitaine, qui était alors une province romaine.